Estelle Desrumaux, adjointe de direction, je manage, j'écoute, j'encourage, je participe à l'élaboration de dossiers. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours, puisque bon, on a non seulement notre vie professionnelle et personnelle, mais à vrai dire, les challenges sont tellement intéressants que bon, on ne ressent plus, on va dire, cette pression qui peut être autant positive que négative. Le milieu de la santé est très féminin. Voilà, on peut le voir hein, de par les compétences médicales, entre autres le personnel soignant. Au contraire, on encouragerait à ce que plus d'hommes rejoignent ce métier, mais au niveau des directions, vraiment, on ne sent pas la différence. C'est vrai que les hommes ont peut-être tendance à avoir un discours plus direct ou autre. Ils vont peut-être plus droit au but. C'est vrai que nous, on est peut-être plus dans le dialogue pour se faire entendre. On dit souvent qu'une femme arrive à faire plusieurs choses à la fois. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Hein. Ce sont des domaines, vous voyez, comme les travaux qui étaient réservés aux hommes, qui sont de plus en plus ouvert maintenant aux femmes. Les mentalités évoluent très clairement et dans le bon sens pour la femme. En tant que femme, je m'épanouis très clairement au sein de Filéris. Nous, en France, à l'heure actuelle, on a quand même bien évolué au niveau des mentalités, entre autres. C'est sûr que d'autres pays, c'est peut-être encore très difficile. Et faire une sensibilisation pour cette journée-là me paraît effectivement indispensable pour voir ce qui se passe dans d'autres pays, parce qu'être une femme, c'est pas seulement se regarder soi-même, c'est de regarder l'ensemble des femmes au quotidien. Au quotidien.